Et hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo qui a été pas mal demandée. Je me suis dit que ce serait cool de vous montrer un petit peu mon quotidien à l'internat. C'est pour ça que je vous ai filmé une semaine au lycée avec moi. J'espère vraiment que ça va vous plaire et c'est parti. Alors concernant mon petit outfit, aujourd'hui j'ai mis un col roulé noir avec la chemise de mon papa. Je trouve ça tout simple mais trop beau et j'ai mis un jean. Voilà, tout basique, c'est mon jean qui vient de Zara. Là le papa de Mélanie va venir me chercher, il va être 7h. Cet après-midi, je commence par 1 heure de cinéma, merci Mélanie, et ensuite 2 heures de géopolitique. Faut que je finisse de vider ma valise, que je prenne mes cours pour cet après-midi, qu'on aille manger et que j'aille en cours. Si la pionne elle arrive. Tu lui dis que je suis aux toilettes si elle te demande. Ouais, ok. Tu seras vraiment aux toilettes? Oui. Ok. I guess my question is, do you think it's too late for me? What? I mean, am I just doomed to be the person that I am, the person in that book? It's not too late for me, is it? It's not too late, Diane. I need you to tell me that it's not too late. Je sais pas si je vous ai expliqué comment ça fonctionne le soir, mais en gros, on a une heure de perm de 18 à 19h. De 19 à 20, on va manger et on en a une deuxième de 20h à 21h. Ensuite, on a 45 minutes pour tout être douché. D'habitude, on est 4 dans la chambre. Sauf que cette semaine, avec le fait que dans mon lycée, maintenant, on est en groupe, genre une semaine à la maison, une semaine en cours. Avec Mélanie, on est dans le même groupe et les deux filles de notre chambre sont dans le même groupe. Donc, on est 2 et 2. J'ai vraiment l'air fatiguée. Alors qu'on est lundi soir, voilà, c'est tout le temps comme ça, de toute façon, je... Je vous retrouve, on a eu cours ce matin, là il est midi et vraiment c'est très mal cadré. On a eu 2 heures d'anglais, 2 heures de français. Il est midi, on va aller manger. Je sais pas si vous avez vu du coup, mais de midi à 13h tous les jours l'internat il est ouvert, donc ça c'est très pratique. Faut que je prenne mes affaires de géopolitique, j'ai 2 heures cet après-midi et après je finis à 16h comme le lundi. Du coup je vais aller au CDI, je trouve ça vraiment bien l'espace du CDI. Genre je sais pas, j'arrive bien à travailler et tout. Je pense que je vais essayer de vous filmer quelques plans là-bas. Et voilà, c'est parti. Mélanie me teste des coiffures. On est mitigé. Mélanie elle m'a fait des tresses, mais du coup le premier jour je les attache tout le temps. Genre le deuxième je les laisse détacher parce que c'est moins gonflé. Mais du coup là on va aller petit déj, on va en cours et je vous retrouve ce midi. Je vous retrouve, il est midi 15, on vient de finir de manger. Il y avait deux profs qui étaient pas là ce matin, du coup bah on a eu que 2 heures d'enseignement scientifique, ce qui est déjà bien parce qu'on avait un contrôle d'SVT sur la théorie cellulaire. Je pense pas l'avoir totalement réussi, on verra bien. Bon et sinon concernant le programme de cet après-midi, là il est même pas encore 13h, je passe mon code à 15h30, j'espère vraiment que je l'aurai. C'est la troisième fois que je le passe, oui, et du coup bah j'espère que cette fois c'est la bonne. Souvent j'ai pas mal de devoirs à faire le mercredi, demain par exemple j'ai un DS du géo, un DS d'espagnol, j'ai du vocabulaire en anglais. Avant je sortais le mercredi après, mais bah maintenant vu qu'on est confiné, je ne peux pas.
Je suis obligée de rester au lycée. Donc bah je travaille. Au moins il n'y a aucune excuse. Il va être 17h, je viens de rentrer et devinez quoi, j'ai mon col, je suis vraiment trop contente, je vous ai pas filmé, je suis désolée, je suis vraiment la pire youtubeuse. Mais du coup voilà, j'ai plus besoin de m'entraîner, j'ai mon code, je vais pouvoir faire mes heures de conduite avec mes parents. Mais Mélanie, comment on peut travailler dans un espace de travail? Mais c'est un bordel. Il va être 22h, on va aller dormir, j'ai vraiment l'air d'un cadavre. Moi je peux plus rien pour moi, il y a un moment donné... Moi, je peux plus rien pour moi. De toute façon à 22h il y a la pionne qui passe. De toute façon à 22h il y a la pionne qui passe. J'espère que ça va, je vous retrouve, il est midi. On est passé à l'internat comme tous les midis pour prendre les affaires de cet après-midi. J'ai 2 heures de littérature et 1h30 de cinéma. Ce matin ça s'est assez bien passé, je devais avoir un DS d'espagnol et de géographie. Mais au final j'ai eu seulement celui de géographie, donc tant mieux. J'ai l'impression de toujours dire la même chose, mais en même temps je suis en cours et tout. Vous voyez mon quotidien. Donc bon, voilà, c'est parti. J'essaie de vous filmer un peu de mon après-midi, mais comme d'habitude... Je ne vais rien réussir à filmer, mais dans tous les cas, on se retrouve ce soir. I guess my question is, do you think it's too late for me? What? I mean, am I just doomed to be the person that I am, the person in that book? It's not too late for me, is it? It's not too late. Diane, I need you to tell me that... J'espère que vous allez bien. On a décidé de faire un petit masque parce qu'en vrai j'ai passé une trop mauvaise journée. J'ai eu des mauvaises notes, il y a une prof qui m'a cassé la tête. Mais Mélanie, pourquoi t'as attaché le mur? Mais... Faut que je nettoie le beat. Va falloir qu'on nettoie le mur là. Bon, on va faire du sport. On va faire du volley de 8 à 10 le vendredi. Je kiffe pas trop le concept de faire du sport juste après le petit déj, mais bon, on s'adapte. Du coup, bah, on va se retrouver pendant qu'on fait notre valise ce midi. Bon, et bien matinée, très peu productive, mais bah là on est en train de faire la valise. Mélanie a déjà commencé, faut que je la fasse. Mais je suis de vengeresse. Quelle idée d'aimer une femme à l'humeur vengeresse. La dernière fois je t'ai mis un plan, pas de quoi péter un plomb. Mais tu viens d'une ville dangereuse qui te vend le stress. Je serai fair play si je feins d'être énervé, c'est pour te faire plaisir. Et je me pencherai, me moquant de ton air boudeur. Pour m'emmerder, t'allumeras un joint d'air boudeux. Tu joueras l'insoumise, mais tes mots m'affectent pas. J'obtiendrai ton sourire, le seul témoin de ma victoire. Je tiendrai tes oreilles pour les empêcher de se sauver. Je te dirai, y'a de la meuf dans cette soirée, mais moi j'ai vu que toi. Ton corps dans ma rétine, c'est sensoriel. Sincèrement, elle pourra pas nous essorer la routine. En face de moi, y'a des types foncés en bas du bloc. Mais je pense à tes petites faussettes en bas du dos. Calcule pas tous ces types foncés en bas du bloc. Mais je pincerai tes petites faussettes en bas du dos. Le café vient de fermer, mais je suis devant, je reste. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je me suis rendu compte en faisant le montage que j'ai pas filmé le vendredi soir quand je suis rentrée chez moi, quand j'ai défait ma valise. J'étais tellement fatiguée que je suis juste allée prendre ma douche et je suis allée dormir.
J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Et nous, on va se revoir bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!